Bonjour à tous et bienvenue pour ce Bibliogrille avec Béatrice Palu-Burbeau. Bonjour Béatrice. Bonjour Geneviève et bonjour à tous et toutes. Vous êtes directrice adjointe au développement des services et des publics de la Bibliothèque municipale de Lyon. Aujourd'hui, vous allez nous présenter le travail mené dans les bibliothèques de Lyon pour favoriser un accueil de tous les publics dans de meilleures conditions. La présentation sera suivie d'un temps de questions-réponses avec vous qui nous suivez aujourd'hui via notre Facebook. Depuis 2013, la Bibliothèque municipale de Lyon élabore une réflexion et des actions structurantes avec son équipe pour la former à l'accueil des publics très précaires. L'objectif plus global est de favoriser une meilleure inclusion et une cohésion sociale entre tous les publics. Béatrice, pouvez-vous nous rappeler le contexte, nous expliquer le contexte dans lequel cette réflexion a été formalisée, en commençant par nous dire pourquoi ce travail était nécessaire? En 2013, on a décidé de s'attaquer au sujet de la régulation de la vie collective suite à trois différents constats qui ont été réalisés. Le premier concernait les relations qu'on avait avec nos publics. Alors, ça allait de la plainte des publics, certains se plaignaient des odeurs, de la saleté, des remarques comme qu'on était une cour des miracles, une série d'incidents, d'incivilités. Des gens qui prenaient des poubelles pour des urinoirs, qui lavaient leur linge dans les toilettes, des bagarres, des conflits d'usage, des gens se battaient pour des ordinateurs, des agressions vis-à-vis des bibliothécaires. Et puis tout simplement le constat que certains espaces de la bibliothèque étaient complètement monopolisés et excluaient d'office toute une partie des publics. Le deuxième constat qu'on faisait par rapport à cette série d'alertes, c'est qu'on n'avait pas de consensus interne. D'abord, on ne savait pas quoi faire, on n'était pas d'accord sur ce qu'il fallait faire, et on avait un règlement intérieur à l'époque qui était inutilisable, qui était beaucoup trop ancien, qui datait de 1995. Enfin, le dernier événement déclencheur, c'est le projet d'établissement. Parce que là, pour le coup, il y avait consensus sur l'ambition. La bibliothèque a vocation à accueillir tous les publics, à proposer des offres documentaires, des médiations qui permettent de se former, d'apprendre, se cultiver, se divertir. Et donc, derrière, une grande responsabilité qui était celle de savoir réguler les usages et permettre à tous les usages et usagers de cohabiter sereinement. Merci. Comment est-ce que vous avez procédé pour élaborer un mode d'emploi de cet accueil et des séjours au sein des bibliothèques? C'est-à-dire que vous avez procédé avec une logique collective et qui reflète les besoins du réseau. Oui, tout à fait. On s'est structuré en mode projet et on a planifié le travail sur 2 ans. Donc, on était près d'une cinquantaine à travailler, je dirais, directement sur le projet, sachant qu'ensuite, à toutes les étapes, l'ensemble du réseau en bénéficiait ou même l'ensemble des agents a été invité à réagir, donner son avis sur les différentes étapes. La première année, on s'est attaché à donc, trois types de travaux. Le premier, c'était le règlement de visite de la Bibliothèque municipale de Lyon. Le deuxième, c'est on a établi une bibliographie, un état de la littérature sur l'accueil des publics, les publics précaires, leurs attentes, avec bien sûr un ouvrage à l'époque qui venait d'être publié, Des pauvres à la bibliothèque de Serge Pogam, qui a été très inspirant pour nous. Et enfin, le troisième volet du travail de cette première année, ça a été d'aller voir d'autres structures, d'autres établissements qui accueillaient des publics et de faire une collecte d'expériences. Quels étaient pour eux les publics qui les mettaient en difficulté? Comment est-ce que, ils le géraient? Quel type d'incidents ils avaient à traiter? Donc, on est aussi bien allé voir des CCAS que des hôpitaux, d'autres médiathèques, mais également la SNCF ou les maisons du Rhône. Et la deuxième année, vous avez mis en place vous Alors, avez continué. la deuxième année, on avait donc un règlement de visite qui listait les interdits à la bibliothèque. Il nous restait tout d'abord à le communiquer
auprès des publics, donc à le mettre à disposition, mais également un travail de communication qui a impliqué la signalétique, qui a principalement concerné les questions d'ambiance sonore et de repas, et les interdits généraux également qui étaient affichés à l'entrée des bibliothèques. On a travaillé dans un deuxième volet qui était... certes, on a un règlement de visite, mais comment est-ce qu'on l'applique ? Ce n'est pas une fois qu'on a dit qu'il est interdit de dormir à la bibliothèque, que derrière, il n'y avait pas une nécessité de clairement se mettre d'accord entre nous sur comment on appliquait, quelles étaient les règles qu'on se fixait, notre seuil de tolérance, et essayer de l'objectiver au maximum, c'est-à-dire par rapport à des règles qui pouvaient s'appliquer à tout type de public. Hein. Donc, ça a conduit à avoir une note d'application de ce règlement de visite et également une première série de formations à l'accueil, aux basiques de l'accueil qui a été dispensée à tous les agents en contact avec les publics. On a également, pour appliquer ce règlement de visite, mis en place des procédures pour faire face aux incivilités, notamment les agressions. Et enfin, le dernier volet de ce travail, ça a été de faire évoluer les services de la bibliothèque en ayant en tête tout à la fois d'éviter les conflits d'usage et puis de ne pas exclure. Est-ce que vous pourriez nous préciser comment est-ce que vous avez travaillé pour élaborer ces procédures ? Alors, sur les procédures elles-mêmes, c'était un travail itératif, bien sûr, du groupe projet, et ensuite on le soumettait aux responsables de service et à l'ensemble des agents. Pour le travail sur les services, on a identifié les réponses spécifiques qui devaient être apportées quand il y avait des conflits d'usage. Alors, ça pouvait concerner des types de réponses très diverses, du type les mobiliers. On a été amené à supprimer un certain nombre de canapés pour les remplacer par des assises individuelles et puis à augmenter notre parc informatique, à mettre en place un abonnement simplifié avec une procédure très légère pour avoir accès au pass informatique, de manière à limiter le temps d'usage de chaque poste de manière complètement autonome et automatique, sans intervention du personnel. Et quand on parle d'adaptation pour ne pas exclure d'office certains usagers, on a questionné nos modalités d'inscription. C'est là où on a abandonné, par exemple, la pièce justificative de domiciliation au profit d'une attestation sur l'honneur. Bien sûr, on avait en tête en priorité les personnes qui sont logées dans des foyers ou qui ont des hébergements précaires, voire pas d'hébergement du tout. Mais on s'aperçoit que ce type de simplification bénéficie aussi à des publics comme les étudiants ou les personnes qui ont des CDD ou qui sont là pour des durées de formation relativement réduites. Voilà. Sur ces allègements de procédures et de règles, quand on dit n'exclure personne, ça veut dire à chaque fois qu'on a de nouveaux usages, se poser la question de comment on y répond et est-ce qu'on est capable de traiter tout le monde de la même manière. Donc, pour Vigipirate, on fouille tous les bagages et bien sûr, les sans-abri viennent souvent avec des gros bagages et du coup, très clairement, on ne fouille pas des gros bagages des personnes que l'on voit tous les jours avec les mêmes bagages. Voilà. Mais ça pourrait très bien s'appliquer également à quelqu'un qui prend le train, si tant est qu'il prenne le train tous les jours avec un énorme bagage. Merci Béatrice. Je voulais savoir maintenant que ce travail de mise au point des objectifs a été réalisé avec votre équipe et que vous avez formalisé les modes de fonctionnement dans les équipements. Comment faites-vous vivre ces règles au quotidien à la fois pour les équipes et pour le public ? Alors l'accueil, c'est jamais gagné, la régulation de la vie collective, c'est jamais gagné, ça nécessite un échange constant
entre le service des publics et les bibliothèques, les différentes bibliothèques du réseau, toutes les équipes en contact avec le public. Donc, c'est un gros travail d'animation et puis de savoir faire évoluer les notes d'application, le règlement de visite en fonction des nouveaux conflits d'usage ou d'adapter nos réponses quand on constate quelque chose de nouveau. C'est également la mise au point d'une boîte à outils. On souhaitait, quand on dit ne pas exclure, c'est quand on a une intervention auprès d'un public précaire, souvent, mais pas que pour des questions d'hygiène corporelle et d'odeur qui incommodent, ben, je dirais, l'ensemble des autres personnes qui partagent le lieu. On s'attache aussi à pouvoir proposer des solutions, ce qui voulait dire que derrière, on a toute une boîte à outils qui liste les organismes qui proposent des formations FLE, les écrivains publics, mais également où est-ce qu'on peut prendre des douches gratuitement sur Lyon, voilà, hein, pour pouvoir aussi ne jamais dans l'idée d'exclure. On a également travaillé encore sur les formations à l'accueil en déployant une formation accueil perfectionnement qui se centrait beaucoup sur les conflits ou les publics que chacun ressentait comme compliqués à appréhender. Alors, c'est très variable selon les personnes, hein. Ça peut être des mineurs isolés, ça peut être des ados, ça peut être des publics précaires, ça peut être des migrants. Enfin, voilà, il y a tout type de public et on, chaque fois qu'on est à l'accueil, on sait qu'il y a des choses qu'on fait, voilà, des publics qu'on appréhende peut-être de manière pas toujours détendue. Et on a également, au niveau de l'accueil, formation à l'accueil, fait une formation avec, en partenariat avec ATD Carmonde, qui était très intéressante dans la mesure où les membres d'ATD Carmonde et des bibliothécaires ont été amenés à travailler sur ce qu'est un accueil, un bon accueil, à quoi est-ce qu'on voit qu'on est le bienvenu. Et ce qui a été très marquant dans cette formation, c'est le fait que les bibliothécaires mettaient en avant le sourire comme étant vraiment la clé du bon accueil, qui montrait vraiment qu'on avait plaisir à accueillir dans nos bibliothèques. Et parallèlement, les membres d'ATD Carmonde mettaient en avant le regard. C'est, pour eux, c'était avec le regard qu'ils pouvaient sentir qu'ils gênaient ou qu'ils étaient plus ou moins bienvenus. Et du coup, voilà, leur attente, c'est d'être regardés comme tout un chacun. Et on essaye de travailler là-dessus. On a un dernier pan de travail aussi qui concerne des animations culturelles qui essayent de travailler sur la cohabitation, la meilleure acceptation, casser les idées reçues. Et là, je pense à des expériences comme la bibliothèque vivante que l'on avait fait sur le thème de l'exil avec différents témoignages, dont un ancien SDF, une prostituée, voilà, des migrants, pour que on n'ait plus non plus de réaction épidermique et que tout le monde arrive à cohabiter. Et je ne veux pas dire qu'on arrive dans une situation idéale, parce que ce serait vraiment prétentieux et puis irréaliste par rapport au fait que tous les jours, en fait, on remet sur l'ouvrage. Mais néanmoins, on a beaucoup de témoignages qui montre que de ce côté-là, sur le fait d'être un lieu où tout type de public a sa place et où les gens apprécient cette mixité sociale, je pense que oui, c'est gratifiant comme travail. Et puis, bon, les conférences que l'on peut faire aussi avec, en partenariat avec ATD Carmonde ou la Fondation Abbé Pierre ou Médecins du Monde, Habitat et Humanisme aussi, souvent à l'occasion du journée de refus de la misère, hein, de lutte contre la misère, sont également intéressantes
pour travailler sur cette acceptation réciproque et ce qu'on a appelé le vivre ensemble. Merci Béatrice. En attendant que vous qui nous écoutez aujourd'hui puissiez poser vos questions, n'hésitez surtout pas à le faire, Béatrice Badut-Burbeau vous répondra. Moi j'avais deux questions Béatrice. La première c'est que j'aurais aimé que vous reveniez sur la définition du règlement de visite que vous avez évoqué à plusieurs reprises et que vous nous expliquiez la différence que vous faites entre le règlement de visite et le règlement intérieur. Alors, le règlement de visite, ou plus précisément le règlement de visite et d'utilisation des bibliothèques municipales de Lyon, on l'appelait avant règlement intérieur. Mais pendant qu'on a travaillé dessus, qu'on l'a élaboré, on a eu l'aide d'un juriste de la direction aux affaires culturelles et celui-ci a pointé du doigt que le règlement intérieur, il y a une définition juridique au règlement intérieur. Le règlement intérieur, légalement parlant, c'est ce qui réglemente les relations entre un employeur et ses employés. Donc, en fait, ce n'était pas notre cas. Hein. Donc, du coup, on l'a intitulé correctement « règlement de visite ». Voilà. Donc, d'accord. Nous avons deux… Correction de langage. D'accord, merci. Nous avons deux questions de collègues. La première porte sur la bibliothèque vivante. Est-ce que vous pouvez détailler cette action, s'il vous plaît ? Oui, la bibliothèque vivante, elle a trouvé place au sein d'un événement qui s'appelait Démocratie. On a travaillé sur… C'est un travail très lourd. Hein. Il y avait une dizaine de livres vivants. Chaque livre vivant était préparé avec l'appui d'un bibliothécaire et il y a eu 5 réunions préparatoires avant l'événement en lui-même. Donc l'événement en lui-même, ça se présentait sous la forme de fiches catalogues. On avait fait des fiches catalogues pour les livres vivants et les personnes étaient invitées à prendre rendez-vous et pour aller consulter ce livre vivant et la personne témoignait pendant une quinzaine de minutes sur son parcours de vie et toutes ces personnes avaient un point commun qui était le thème de l'exil. Merci. Voilà. Je vais vous couper, Béatrice, parce qu'il y a d'autres questions et que oui. Nous avons très peu de temps devant nous. Un autre collègue demande si vous auriez des conseils de base à donner à d'autres organisations qui reçoivent du public, associations ou magasins, pour démarrer des réflexions sur comment mieux accueillir, accompagner et autonomiser les publics très, très précaires, entre autres. Des conseils, Béatrice. Des conseils de base. Simplement pour peut-être compléter cette question qui en rejoint une autre. Il y a une question sur le travail de coopération entre les différentes structures de la ville et je voulais l'ajouter peut-être à celle que je viens de vous poser sur les conseils de base parce qu'il me semble qu'elles peuvent être liées. Tout le travail que vous avez menez-vous à Lyon avec les autres structures de la ville ? Peut-être que ça peut s'intégrer. Alors, à proprement parler, on n'a pas, au-delà du benchmark que l'on a fait, c'est-à-dire d'aller rencontrer des structures dont certaines étaient municipales, on n'a pas de travail réellement en commun avec les autres structures de la ville, ce qui est un peu dommage, ce sur quoi on souhaiterait avancer, notamment sur les thématiques de l'inclusion sociale ou de l'inclusion numérique ou pour s'inscrire aussi dans le projet éducatif. Voilà, mais ça c'est l'objet de notre prochain projet d'établissement. Sur les conseils de base, moi, s'il y a vraiment un conseil de base à donner sur l'accueil, c'est d'avoir une réponse d'équipe.
Voilà, c'est, y a rien de pire en termes d'accueil que chacun ait sa propre définition, que chacun élabore ses propres réponses. C'est quand on a un constat, qu'on voit des gens qui déplacent des fauteuils d'un espace à l'autre, ben, on se pose systématiquement la question en équipe. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de manière à avoir une réponse qui soit cohérente et harmonisée. Et puis, c'est une question aussi d'égalité de traitement, équité de traitement, quand on prend en compte les différentes manières de faire ou les différents cas qu'on doit en tant que service public aux usagers. D'accord, ça rejoint une question qui arrive sur qui la personne vous demande de revenir sur vos procédures, notamment celles que vous avez mises en place sur l'hygiène incommodante des personnes. Alors, dans la note d'application, on avait identifié un certain nombre de cas sur les enfants, l'âge des enfants, ce qu'on acceptait, à partir de quand ils pouvaient s'inscrire tout seuls. Et puis, on a identifié des cas comme le fait de dormir ou les odeurs incommodantes. Et on s'est mis d'accord aussi sur ce qui pouvait justifier d'une exclusion, quelles étaient les conditions nécessaires à une exclusion et comment on s'y prenait. Sur les odeurs incommodantes, on intervient, alors c'est généralement une réponse collective, c'est-à-dire on constate, soit on est alerté par un usager, soit le bibliothécaire constate que l'odeur est intenable. Et là, bah, c'est le moment le plus difficile, c'est qu'il faut intervenir auprès de la personne. Généralement, on lui demande on la prend un peu à part, on lui demande de nous suivre pour pouvoir avoir un échange avec elle. Et là, on lui dit qu'il y a un minimum d'hygiène corporelle à avoir, que l'odeur incommode et que on est prêt à regarder avec elle les solutions si elle est en difficulté pour pouvoir améliorer son hygiène corporelle. Parce que c'est une condition du vivre ensemble, c'est que le lieu soit agréable pour tous. Alors, c'est pas ce que préfèrent les bibliothécaires, hein. C'est quand même pas l'intervention la plus glorieuse, mais néanmoins, elle est nécessaire aussi. Elle est nécessaire et c'est vrai que le tact qu'elle exige est un exercice un petit peu difficile. Sur le même type de questions… Alors, par rapport à ça, je veux dire, il y a eu beaucoup de… C'est un ensemble de choses parce que… Par exemple, on a très clairement dit qu'il y a une vigilance importante à avoir systématiquement à l'entrée des bibliothèques. Alors, c'est plus ou moins facile à faire pour chaque bibliothèque, mais très clairement, une fois qu'on a dit qu'on avait une tolérance zéro sur le fait de venir avec de l'alcool ou que quelqu'un qui arrivait alcoolisé, on ne le laissait pas rentrer… Bon, voilà, je dirais, c'est un ensemble de choses qui ont permis d'améliorer la situation. On va rester dans les questions très concrètes, Béatrice, avec une question sur l'espace et les stratégies que vous avez mises en place pour permettre l'intégration sans tomber dans les conflits d'usage, donc le mobilier, les facilités de confort que vous avez évoquées tout à l'heure un peu rapidement. Est-ce que vous pouvez y revenir, s'il vous plaît ? Les espaces d'écoute musique très clairement faisaient des parties des espaces qui étaient monopolisés d'abord par des hommes. On sait que la musique dit souvent qu'ils ont un public qui est plus masculin que le reste de la bibliothèque. Néanmoins, à un moment donné, il faut aussi s'armer de bon sens. En tant que femme, jamais je vais aller m'asseoir sur un canapé à côté d'un homme, surtout que c'était des canapés de place, pour partager un poste, enfin pour utiliser le poste d'écoute qui est à côté. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on est passé sur des assises individuelles. Voilà, c'est et
on a le même type de réflexion, par exemple, sur les visionnages vidéo, où on avait que deux postes à la bibliothèque, à la bibliothèque de la Part-Dieu, et en fait, ces postes, ils étaient occupés 9 heures d'affilée par les mêmes personnes, et du coup, c'est une monopolisation de l'espace, et il a fallu qu'on réfléchisse. Et là, on va essayer de mettre en place une solution qui est, un, on va proposer davantage de postes visionnage vidéo, et deux, on va mettre en place un système de régulation temporelle qui limitera à 2 heures sur la base de l'inscription simplifiée, hein, qui s'appelle l'inscription connexion, qu'on propose déjà pour les postes informatiques. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui, en tout cas, il y a beaucoup de questions qui tournent autour d'aspects très concrets, d'application de ces procédures. Donc, j'essaie de vous les relayer. On a encore une question très concrète. Si une personne SDF a une attitude agressive envers les bibliothécaires, comment vous y prenez-vous ? D'abord, on a un certain nombre de limites qu'on a posées, c'est-à-dire être agressif, c'est voilà. Est-ce que on est insultant? Est-ce que on demande des passe-droits? Est-ce que on hurle? Quand le comportement n'est pas tolérable, donc ça inclut des insultes, ça inclut de crier dans la bibliothèque, en fait, on demande bien sûr systématiquement le plus calmement possible à la personne de changer son attitude, et si elle ne le fait pas, on lui demande de sortir, et on appelle la police municipale si on a un problème. Voilà. Et on a un système d'exclusion, donc tout bibliothécaire peut prononcer une exclusion pour la journée, et sinon, pour les faits les plus embêtants, on a une exclusion de 3 mois qui est centralisée, qui est demandée auprès du service des publics, qui vérifie qu'on est bien passé par les différentes étapes prévues, à savoir le rappel à l'ordre, et qui essaye aussi d'éviter qu'on ait des choses qui soient trop variables ou trop différentes dans l'appréciation des différentes bibliothèques. Merci. Donc, une meilleure coordination, enfin, en tout cas un dialogue entre équipes, une formalisation aussi. Vous avez mis en place, je crois, des procédures, y compris en cas de conflit entre usagers. Conflit entre usagers, non, on n'a pas de procédure. On n'a pas de procédure. Les procédures, pardon, elles concernent les agressions sur les bibliothécaires. Là, elles sont très claires. Sur les conflits entre usagers, la préconisation, c'est on appelle la police municipale. Voilà, quand je parle de bagarre, hein, de conflit entre usagers, on n'en est pas au stade de la bagarre, on sépare les personnes, voilà, et on les éloigne au maximum. Après, alors, à la bibliothèque de la Part-Dieu, qui est la bibliothèque centrale dans laquelle, là où on a le plus gros flux de public et où, je dirais potentiellement, la majorité des incidents se déroulent dans cette bibliothèque, hein, même si tout peut se rencontrer partout, on a une équipe d'agents de médiation prévention qui est particulièrement pointue dans ce domaine, et qui du coup est capable d'intégrer des règles comme on ne bloque jamais une personne, lui laisse toujours la possibilité de sortir, voilà, pour également se protéger et ne pas prendre de coups.
D'accord, il y a plein d'autres questions auxquelles on ne va pas avoir le temps de répondre ici, mais nous allons y répondre avec vous, Béatrice, si vous le voulez bien, par écrit, sur notre page Facebook. Je voulais remercier l'ensemble des collègues qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui et qui se sont investis dans cette présentation vraiment très riche et je crois nécessaire parce que les questions qui arrivent signalent bien qu'on a besoin d'outils très concrets pour faire face à ces questions qui sortent de notre, on va dire, de notre formation d'origine. Donc je voulais vous remercier, vous, Béatrice, pour votre implication, votre présence et les détails avec lesquels vous nous avez expliqué votre travail d'équipe et notamment tout le travail, on va dire, d'intelligence collective que vous avez structuré autour de cette question de l'accueil de tous les publics, hein, finalement. Je voulais aussi en profiter pour remercier la régie de la BPI qui nous accompagne pour nous permettre de mettre en place Facebook Live et ce Bibliogrille, et aussi l'équipe de la délégation qui relaie les questions et permet que tout se passe bien. La BPI vous donne rendez-vous pour le prochain Bibliogrille le 1er juin, donc toujours à 11h, avec Christelle Tridon de la bibliothèque Louise Michel, qui parlera du troisième lieu. Le troisième lieu est-il Covid compatible? Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.